Je n'ai rien à te donner, je te dis seulement merci. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu. Merci Seigneur Jésus. Mon Sauveur, je n'ai rien à te donner. Je te dis seulement merci. Amen. Merci Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous bénisse richement. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous disons dans le livre des Psaumes au chapitre 20. Psaume chapitre 20, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 20, nous lisons la parole de Dieu. Psaume 20. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire, et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son roi. Il exaucera des cieux de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons ferme et nous restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Amen. Que le Seigneur soit réellement béni. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. Ton nom soit béni, notre Père, qu'il soit vraiment exalté encore et glorifié encore en ces jours, Père. Nous te sommes vraiment reconnaissants de pouvoir avoir ces jours, ces dimanches, premiers jours de l'année. Père Saint-Dieu, dans cette nouvelle année que tu nous as introduit, Père, c'est vraiment avec beaucoup d'acclamations et beaucoup de reconnaissance à ton endroit. Tu es vraiment le Dieu fidèle, mon bénévole Père Saint. Tu nous as gardés l'année passée. Tu nous as aussi gardé cette année-ci, mon bénévole Père Dieu. Nous te voyons déjà agir encore pour nous, Père. Nous te sommes vraiment reconnaissants. Nous entrons dans cette année avec foi, avec assurance, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh, avec certitude, mon bien-aimé Père. Parce que ce que toi tu dis arrivera toujours, Père. Nous avons confiance en toi. Peu importe ce que les hommes peuvent penser et dire, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Mais nous avons confiance que ce que toi tu déclares est toujours la vérité, mon Sauveur. Oh, nous sommes vraiment heureux. Nous sommes un peuple qui est heureux parce que nous savons que c'est ta main puissante qui nous conduit, Père. Le troupeau de ton pâturage. Oh, béni soit ton Saint-Nom. Tous ceux qui ont été sous ta main puissante, tous ceux qui étaient sous ta conduite, mon roi, ne se sont jamais égarés, mon Seigneur. Oh, parce que tu es notre chemin. Tu es la lumière qui nous éclaire sur le chemin, mon bien-aimé. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Merci encore pour le chant et les cantiques. Merci encore pour l'allégresse, Père Saint-Dieu. Oh, nous voulons vraiment avoir des temps bénis, Père Dieu. Et comme nous le chantons, redonne-nous des jours heureux. C'est vrai, Père, nous voulons ces jours, nous voulons ces moments, Père Saint, où nos cœurs s'illuminent encore davantage d'un amour vraiment parfait pour toi, bénévole Père Saint-Dieu, et aussi, Père Tubissant, avec la joie du salut, mon Sauveur, nous te remercions pour ta conduite, mon Père. Oh, nous voulons vraiment nous attacher davantage à toi. Béni sois-tu encore, mon Seigneur, pour tout ce que tu as fait encore aujourd'hui, que tu vas encore faire, mon bénévole Père Saint-Dieu, au travers des chants et des cantiques.
cantique, tu nous as vraiment béni, Père. Oh Dieu, chaque frère et chaque sœur t'a pu exprimer son amour, mon bien-aimé, Patrimissant, et aussi sa reconnaissance, mon roi. Nous n'avons que toi, mon bien-aimé, Seigneur, car vers qui d'autre pour nous aller, mon Seigneur Jésus. Merci pour cette année nouvelle, Père Dieu, que tu nous as donnée. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Oh Dieu, nous prions aussi pour tous nos bien-aimés, frères et sœurs. C'est vrai, Père, que tu nous as donné, qui sont souvent en connexion et qui sont attachés à cet endroit. Alléluia. Seigneur, qu'ils soient vraiment bénis. La louange, la gloire et l'honneur te reviennent. Amen. Seigneur, à nous la gloire, que tout revient, bénémoine, Père Saint-Dieu, et la santé qui nous la donne, mon bénémoine, Père Tibissant, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu vous bénisse richement. Amen. Et que bonheur et années. Que le Seigneur vous comble. Amen. Et que vraiment cette année soit vraiment la bonne. Amen. Une heureuse année. Amen. Parce qu'il a promis d'être avec nous, Amen, d'agir aussi, de nous bénir, de nous fortifier. Alors n'ayez plus peur, mais ayez confiance dans le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. C'est merveilleux, et c'est cantique qui me revient. Il est un nom, il est un nom, un nom. C'est un nom, Dieu, nom, Jésus, nom béni. En Saint Jésus. Je suis guéri. En ce nom, je suis guéri. En ce nom, je suis guéri. En ce nom, je suis guéri. Précieux nom, Jésus, nom béni. Amen. Oh, Jésus. Nous chantons son nom parce que nous voulons marcher avec ce nom tout au long de cette année que Dieu nous a accordé la grâce de pouvoir avoir. Nous sommes entrés dans cette année avec la foi et aussi la parole de notre Dieu qui nous fortifie, qui nous annonce déjà aussi ce que le Seigneur notre Dieu sera pour nous. C'est pour ça que, en tant que fils et filles de Dieu, la peur que nous avons et toutes les inquiétudes doivent rester derrière nous. Nous pouvons que glorifier le Seigneur dans toutes les circonstances. Certes, comme le Seigneur l'a dit, vous aurez des tribulations, mais ne craignez point, car j'ai vaincu le monde. Nous sommes heureux de pouvoir réellement réaliser le regard que le Seigneur pose sur nous. Aujourd'hui, nous réalisons que ce sont les regards favorables à notre endroit. Amen. Et que dans notre marche, effectivement, peu importe ce qui pourra se trouver sur notre chemin, il a dit, ne craignez point, car je suis là. Et c'est ce que le Seigneur a toujours eu à pouvoir dire à ses disciples, même lorsqu'ils étaient aussi épouvantés d'une certaine manière. Et nous ne devons pas avoir la peur, mais surtout avoir la certitude et l'assurance. Puisqu'il est là, et certainement, il nous a fait aussi cette promesse véritable qui nous a dit, « Voici donc, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Chaque véritable enfant de Dieu doit vraiment aussi être consolé et fortifié. Dans
les paroles que le Seigneur, notre Dieu, lui adresse. Le grand problème que nous avons, c'est qu'en un certain moment, nous ne trouvons pas notre place dans les paroles exprimées. Nous réalisons que quand nous les lisons, elles nous sont donc étrangères. C'est-à-dire que c'est comme si le Seigneur l'a adressé à ceux-là, qu'on regarde effectivement, et que nous, on s'efforce pour pouvoir se dire que nous voulons saisir quand même, être comme, prendre cette part-là aussi. Mais il nous a dit une parole merveilleuse que nous devons nous souvenir. Je ne prie non seulement pour eux. C'est-à-dire que quand on entendait qu'il s'adressait à Pierre, à d'autres, effectivement, pour ce qu'il allait faire pour eux, il dit non seulement pour eux, mais pour ceux aussi qui croiront en moi par leur parole. Voilà comment le Seigneur nous introduit dans tout ce qui est son programme et aussi dans ce qu'il a eu à pouvoir déclarer. Et puis, il nous montre effectivement aussi comment nous qui allons croire, de quelle manière nous devons nous tenir. Parce qu'il a donné des instructions aussi aux apôtres. Que son nom soit béni. Nous allons donc nous lever pour lire dans les livres des Actes. Les Actes au chapitre 3, c'est cela, oui. Et nous commençons à partir du verset 19. Actes 3, 19, il nous dit: repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient donc effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été donc destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit donc, le Seigneur, votre Dieu, suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera donc exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ce jour-là. Amen. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire encore merci pour ce moment béni que tu nous donnes encore de pouvoir passer ensemble avec ton peuple, Père Dieu. Merci, Père, tu nous as vraiment préservés, tu nous as vraiment fortifiés aussi, Père Dieu, et nous entrons dans cette année, comme nous disons, avec toi et avec une foi et une assurance aussi, Père Tubissant, venant de toi, parce que nous traversons tout et nous arrivons, Père Tubissant, aussi au bon port. Avec toi, nous ferons exploit et nous le croyons aussi, Père. Maintenant, nous venons de lire cette parole de l'Écriture dont tu nous as donné. Nous t'implorons la grâce que tu puisses vraiment aussi nous conduire et nous éclairer. Béni sois-tu, Père, car nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous venons de lire ces paroles que l'apôtre Pierre a eu à pouvoir exprimer ce jour-là. Et c'était un moment tout à fait particulier, il faut que nous comprenions bien. Nous savons que la Bible nous a fait part, certainement, que lorsque le Seigneur a eu à pouvoir agir, et même la manière dont le Seigneur avait conduit les disciples, quand il est parti, les disciples étaient beaucoup plus attachés à pouvoir s'accrocher à la prière et persévérer, effectivement, dans cela. Et nous voyons aussi que lorsque l'Écriture nous montre en réalité des périodes, des séquences dans lesquelles ils étaient, c'était un moment où ils étaient en train d'aller au temple, effectivement, pour prier à l'heure de la prière. Je me réfère donc à Acte 3. C'est pendant qu'ils allaient donc pour aller, donc, parce que c'était l'allégresse pour eux, la joie de pouvoir aller prier, parler avec leur Seigneur, avec leur Maître, dont ils avaient la certitude qu'ils ne priaient pas un Dieu mort, parce qu'ils l'ont vu mourir, crucifié. Et vous vous souvenez de la conversation qu'il y a eu avec les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs? Il disait, nous espérions que ce serait lui ainsi. Donc, ils avaient vu qu'il était donc crucifié, qu'il était mort et enseveli aussi. Et ils avaient
la certitude qu'il est mort et que c'est fini, donc c'est terminé. Alors que pendant qu'il était en vie avec eux, il leur parlait, il leur a même annoncé certainement, effectivement, qu'il allait donc mourir. Mais quand bien même les femmes sont venues parler, ils n'ont pas eu à pouvoir réellement croire à cela parce qu'ils étaient témoins de sa mort et dans le désespoir. Mais voilà que, comme cela s'est passé, les femmes leur ont parlé, et puis le Seigneur lui-même aussi leur a donné aussi des preuves, effectivement, de sa résurrection, comme vous pouvez le voir aussi dans Luc, je pense, chapitre 24, ressuscité. Et puis bon, il leur a parlé en leur montrant, effectivement, dans les psaumes, dans les prophètes, dans l'écriture, tout ce qu'il était parlé de lui, de ce qu'il allait donc accomplir, et aussi comment aussi, il en était parlé aussi de sa mort, parce qu'il dit, ô homme dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on dit le prophète. C'est bien de citer les choses, mais il est toujours important de croire. Croire, c'est aussi avoir la confiance dans ce qu'il est dit, et surtout dans la personne qu'il y a eu à pouvoir prononcer en fait ces choses. C'est comme ça que nous pouvons comprendre que le Seigneur, notre Dieu, a toujours eu à pouvoir dire « Et le juste vivra toujours par la foi. » Et la foi dans la parole de Dieu. Et nous avons eu les témoignages que tous ceux qui ont eu à pouvoir vivre par la foi, eh ben, ils ont toujours eu la victoire, effectivement, et jamais ils n'ont eu à pouvoir avoir la défaite. Parce que la Bible nous fait savoir que qu'est-ce qui triomphe de ce monde ? Notre foi, le triomphe de ce monde. Donc, aussi longtemps que nous garderons la foi, c'est sûr et certain, et que mes frères et sœurs, nous aurons toujours la victoire. Amen. Jamais un homme ou une femme qui a eu la foi n'a eu la défaite. Vous pouvez les lire dans les Saintes Écritures. Ça veut dire qu'aussi longtemps que toi et moi, nous gardons toujours ce que Dieu a eu à pouvoir dire, croire, parce que la Bible nous dit qu'espérant contre toute espérance. Alléluia. Il eut une pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Et puis il a eu son fils. Amen. Vous vous souvenez d'Abraham? Nous revenons dans les actes. Il a eu donc son fils. Ouais. Isaac était un fils promis. Mais ce qui est extraordinaire, mon frère et ma sœur, c'est que l'homme auquel Dieu a eu à pouvoir faire la promesse, effectivement, qu'il aura un fils, il a dû attendre 25 ans. Je crois que si c'était nous, l'un de nous, d'une certaine manière ou d'une autre, parce que nous sommes les personnes les plus pressées, pour que Dieu fasse, Dieu doit faire effectivement. Et c'est cela en fait. Si c'était nous, un an, ça devait être problématique. On trouvera, on commence à sortir parce que Dieu n'a pas, peut-être pas, peut-être que Dieu ne veut pas, mais Dieu ne vous a jamais dit qu'il ne voulait pas. Amen. Alléluia. C'est ça le problème avec l'homme. Je crois que dans le livre de Osée, il nous dit, mais cherchez l'Éternel. Il dit, parce que certainement, c'est vrai, connaissons, cherchons et connaissons l'Éternel. Car sa venue est aussi certaine que celle de le roi. Donc, c'est-à-dire qu'il nous a demandé de pouvoir connaître Dieu. On ne peut pas marcher avec quelqu'un dont on ne connaît pas tellement très bien ces petites mains. C'est pour ça qu'il disait, mais c'est important que vous compreniez. Que dites-vous que je suis, moi, le fils de l'homme? Les gens ont répondu, ils ont dit, mais vous, qu'est-ce que vous dites que moi je suis? Parce que c'est toujours problématique. Pour avoir confiance à quelqu'un, il faut le connaître. Amen, amen. Mm-hmm. Donc être sûr et certain de celui-là, que c'est vraiment lui et nous le connaissons comme il est, effectivement. Donc à ce moment-là, quand il dit une chose, effectivement, nous avons donc la certitude et l'assurance qu'il va certainement accomplir et nous nous reposons sur cela. Dit donc, quand vous pouvez voir Abraham, même quand il a eu donc son propre fils là, il était né dans ses bras, il s'est réjoui, il a glorifié Dieu et Dieu l'observait. Il continuait toujours à pouvoir servir Dieu dans sa marche parce que Isaac connaissait son père.
Un jour comme ça, assis, puis il entend la voix qui lui dit, lève-toi donc, prends ton fils. Il dit encore ton unique là. Celui que tu aimes beaucoup là, Isaac, eh bien, viens me l'offrir en holocauste. Depuis tout le temps que Dieu a marché avec Abraham, qu'Abraham connaît Dieu, il n'a jamais entendu Dieu lui dire que offre-moi un être humain en sacrifice. Chaque fois qu'on devait offrir, est-ce que vous écoutez? Amen. Chaque fois qu'on devait offrir, c'était toujours des agneaux, des brebis, des ceci qu'on offrait à Dieu. Et il le savait, depuis que Dieu l'a appelé, depuis qu'il marche avec Dieu. C'est important, frère et sœur. Donc, depuis que Dieu l'a conduit, effectivement, tout ça, et il y a des promesses qu'il a faites, dont Abraham, même quand il lui a parlé, effectivement, ta postérité, ta descendance, ça va être étranger, éternel, il a offert même les sacrifices à l'éternel. Rah, aux oiseaux, tout ça. Vous connaissez cela, non? Eh bien, donc, Abraham était comme cela. Et vous voyez que Dieu était comme cela. Holocauste, ceci et cela, ainsi de suite. Et puis bon, après que Abraham ait pu avoir de la part de Dieu un fils, un être humain, un enfant dans sa vie, comme vous connaissez aussi la condition aussi de Sarah, aussi comment elle était en fait. Nous croyons que quand Dieu a fait une chose pour quelqu'un, il va aussi le faire pour l'autre. Amen. Vous le croyez? Amen. Bien sûr. Parce qu'il ne change pas. Il est toujours le même Dieu. Et nous avons confiance en lui parce que quand nous voyons qu'il a fait, accompli l'impossible pour celui-là, il va aussi accomplir aussi l'impossible pour moi. Il a fait pour un homme l'impossible. Alors je croirai de tout mon cœur qu'il va aussi le faire. Abraham était âgé, et Sarah aussi était âgée, avancée à un âge, plus possible d'avoir des bébés, tout ça. Et quand nous observons, nous disons, oh mais bon, cette femme, elle est déjà ménopausée, vieille déjà, plus de dents. Donc, avec nos yeux, ça veut dire que c'est fini. Alors là, c'est pas possible. Et puis on voit quelques années plus tard. C'est pas possible. La femme commence à reverdir comme un arbre. Une vieille, vous vous souvenez? Abimelech ne pouvait pas dormir. Alors c'était une vieille. Abimelech a commencé à faire des cauchemars. Alors que c'était une vieille. Mais Dieu a travaillé. Dieu a béni. Vous avez foi en Dieu? Alors, frères et sœurs, ce n'est pas nécessaire de faire du botox. Parce que Sarah n'a pas utilisé des injections. Il n'a pas utilisé les botox. N'est-ce pas vrai? Mais Dieu a rajeuni Sarah. S'il a fait avec Sarah, il peut le faire aussi avec toi. Tu n'as pas besoin de peinture, mon frère. Lui, il est le grand peintre, mon frère. C'est simplement la foi et la confiance en ces dieux. Nous disons que tout est possible. Vous savez, Adam, combien d'années il a vécu? Vous savez, un jour est comme... Vous savez quand même. Adam n'a même pas fait 1000 ans. Il n'avait pas 700 ans. Il a dépassé même les 700 ans. Vous connaissez, non? Alors, juste simplement, regardez, simplement, bon, un être humain. Vous me suivez? Parce qu'on peut lire pour que nous puissions peut-être, dans les scènes d'écriture, vous puissiez voir comme ça, vous avez la même chose qui est vraie, je pense que c'est cela, notre Dieu. Il est grand, et cela, puis nous retournons dans les actes que nous avons lus. Voici donc cela. Voilà. Alors, c'est ici, là, quand même. Chapitre 5 de Genèse, verset 1, il nous dit, voici les livres de la postérité d'Adam.
Vous suivez? Lorsque Dieu créa l'homme, il les fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, vous connaissez, non? Il les bénit et il les appela donc du nom d'homme. Lorsqu'il fut créé, vous vous souvenez? Il a créé, il a donné le nom d'homme. Vous vous souvenez? Et alors il dit, Adam, âgé de 130 ans, vous me suivez? C'est la Bible, hein? Engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et donna le nom de Seth. Donc il avait 130 ans. À 130 ans, oui ma soeur, à 130 ans, il était fort. Est-ce que vous me suivez? Alors on nous dit, le jour d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Vous avez entendu? Cet homme, il a vécu 930 ans. Alors, nous déjà, quand on arrive à pouvoir atteindre 160 ou même 70, vous voyez comment le corps fait, n'est-ce pas vrai? Et on commence à pouvoir déjà penser à préparer les cercueils. 70, 80, déjà, on commence à pouvoir. Mais vous vous rendez compte que c'était en fait dans la fleur de l'âge pour Adam. C'est vrai, c'était la fleur de l'âge pour Adam. 100 ans, c'était la fleur de l'âge. Parce qu'à 130 ans, il a encore eu un enfant. Ah oui, 100 ans encore, il a eu... Bon, vous me regardez comme c'est des histoires, mais c'est écrit. Frère, mais Adam avait... Parce que nous sommes les fils d'Adam aussi, non? Bien sûr, c'est le même corps. Même cellule, même tout, donc il n'y a pas eu de changement. Comment ça s'est fait qu'en ce temps-là, il pouvait atteindre 930 ans? C'est le même corps. Donc si Dieu a eu à pouvoir le faire avec Adam, ben, il est aussi capable de le faire. Hein? Puisque c'est le même corps que nous avons. Simplement pour vous rappeler quelque chose, que vous puissiez comprendre qu'effectivement, que toutes choses sont possibles à celui qui... Oui, oui. Qui met son cœur à pouvoir croire. Vous perdez votre temps quand vous entendez de merveilles de Dieu, mais elles ne sont pas pour vous. Vous louez Dieu parce qu'il a fait ça pour tel, par exemple, oui, il a fait pour celui-là, ceci, ah, gloire à Dieu, mais en fait, toutes ces choses-là, c'est bien, vous vous réjouissez de ce qu'il a fait, mais elles ne sont pas pour vous. Parce que ce qui ferait la plus grande de ma joie, c'est que je puisse prendre part aussi à ces choses. Et que je me dise, s'il a fait pour celui-là comme ça, donc à moi aussi, Dieu va le faire et qu'il a la capacité de pouvoir le faire. Donc s'il a, hein, après Adam, Ben Abraham, tout ça, vous connaissez lointain. S'il a donc restauré et rajeuni effectivement Sarah, eh bien hein, Dieu peut aussi le faire pour moi. Le problème, c'est que vous dites, ah, dans ce temps-ci, ce n'est pas possible, Seigneur, mais en fait, qu'est-ce qui fait que ce n'est pas possible? Dites-il, vous a-t-il dit que dans votre temps, je ne pourrais pas le faire? Regardez, pour que nous puissions voir aussi la chose, effectivement, aussi, vous connaissez Zacharie. Amen. Vous connaissez Élisabeth. La Bible nous dit que tous les deux, ils étaient fortement avancés en âge et sa femme ne pouvait même pas avoir d'enfant. C'est pour ça que quand l'ange est venu vers Zacharie, qu'on lui a annoncé cela, ben l'homme dit, mais il a mis Dieu dans le passé. Mais il a oublié qu'il y avait Abraham, qu'il y avait Sarah. Ah oui. Et c'est comme ça, il dit, mais c'est pas possible. Et c'est là que moi, à mon âge, effectivement, et ben c'est comme ça qu'il a été rendu muet. Donc ce qui veut dire que notre Dieu veut que nous puissions. Et c'est ce que Dieu veut pour toi, mon frère et ma soeur. Il ne te demande rien d'autre que simplement avoir la foi.
Parce qu'il y en a des gens qui disent, oui, ah, il faut que je puisse me préparer, que je puisse me faire ceci pour Dieu. Dieu ne te demande pas tout ça. Parce que si toi, tu fais toi-même ta sanctification, aux yeux de Dieu, c'est comme une souillure. Ça ne vaut pas. Dieu te demande d'abord de croire. Amen. Alors, quand toi, tu crois maintenant, alors lui, maintenant, il a la possibilité de faire son travail en toi. Tout ce que Dieu fait, c'est toujours par la foi. Oui. C'est parce que sans la foi, il est absolument impossible d'être agréable à Dieu. Et c'est important que nous comprenions cela. Parce que si cela n'est pas comme ça, tout ce que vous pouvez avoir, par exemple, du monde, la joie de ceci, nous chantons bien ceci et cela, ne vaut rien. Absolument rien. Parce que, ma soeur, aussi longtemps que tu n'as pas la foi, tu ne crois pas. Ce qui veut dire que tu ne peux pas avoir part avec Dieu. Tout ce que Dieu dit, toutes les promesses qu'il fait, et tout ce que vous pensez que ça va se passer dans le futur, tout ça, sans la foi, vous ne pouvez jamais prendre part à cela. C'est pour ça qu'il est nécessaire, mon frère et ma soeur, de pouvoir réellement d'abord regarder au-dedans de nous et de pouvoir se poser la question, Seigneur, est-ce que j'ai la foi comme Abraham? Ça veut dire que c'est le père de la foi. Donc, est-ce que j'ai la foi comme Abraham? Parce que quand je regarde effectivement Abraham, tu lui as fait la promesse. Mais il est passé par des épreuves pour qu'il puisse lâcher prise. Il dit, mais ce n'est pas possible. Dieu a dit, mais je ne pense pas que ça va s'accomplir. Non, 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 non. L'homme est resté persévérant. Ça n'a pas passé seulement un an ou deux ans, mais cet homme est resté pendant 25 ans. Donc, 25 ans. C'est extraordinaire ça. 25 ans après, en train d'entendre que Dieu accomplisse. Mais on vous dirait, mais non, c'est pas possible, frère. En tout cas, c'est ce que vous ne savez pas. C'est pas vrai, c'est pas possible. Ça. Mais Dieu l'observait. Et puis, on nous crie en disant, venant que nous, et espérant contre toute espérance. Et j'aime toujours cette parole-là parce que peut-être parfois vous ne la voyez pas. Ça veut dire qu'il n'y avait pas quelque chose sur lequel il pouvait quand même humainement, prendre comme appui. Il dit, bon, ça va, c'est passé. Non! Il n'y avait que sa foi, là, basée sur ce que Dieu lui a dit. Et il ne voyait rien. Vous savez, vous disiez, il est très bien, mais la Bible nous fait savoir que lorsqu'il regardait son corps, il voyait la vieillesse toujours. Vous voulez la preuve? Il dit, il ne considéra pas point que son corps était déjà ce qu'il était usé. Donc il marchait, il voyait bien que son corps était usé. Donc il était toujours dans cette condition de vieillesse, mais Dieu lui a fait la promesse. Et cette promesse, frères et sœurs, un an rien, deux ans rien, il attendait. Et son corps lui montra qu'effectivement, que cher Abraham, en tout cas, en toi, vraiment, non, mais il n'a pas regardé les choses extérieures. Ce qui nous détruit, nous, c'est ça. Dieu a dit, mais quand vous regardez l'extérieur, vous voyez les choses, comment ça se passe dans la réalité. Vous dites, attendez, ah, mais est-ce que ce sera possible? Et c'est possible, mais Dieu ne t'a pas dit de regarder là, autour de toi, mais t'a dit de pouvoir regarder à la promesse. Alors, regardez que cet homme a attendu patiemment. Et vous savez pourquoi il a attendu aussi patiemment? La Bible, plus loin, elle nous dit que il fut donc fortifié par... Il fut donc fortifié donc par la foi. Et après ce temps qu'il a eu à pouvoir attendre, Dieu lui a donné son fils. Souvenez, Isaac. L'homme était heureux parce qu'il a eu la confiance en l'Éternel. Et voici que l'Éternel lui a donné ce que son cœur désirait et attendait. Parce qu'il a pleuré à Dieu quand il dit, mais je te bénirai. Et c'est si cela me dit, mais Seigneur mon Dieu, je m'en vais sans postérité. Vous me suivez? Amen. Vous avez lu dans les actes. Je m'en vais sans postérité. Alors, le Seigneur lui fait quelque chose de tellement particulier
à un homme qui était là, qui ne savait pas, qui n'avait pas de postérité, effectivement, qui vivait dans une contrée humaine et qui pensait humainement aussi. Il dit, viens, mets-toi là. Il dit, lève la tête vers le ciel. Il dit, tu vois les étoiles? Compte les étoiles. Abraham a regardé les ciels, c'était, on ne peut pas compter. Les étoiles, elles étaient tellement nombreuses, remplissant partout. Et Dieu vient dire à cet homme-là qui regardait les ciels, l'étoile, qui était rempli d'étoiles, il lui dit, telle sera ta postérité. Dites-moi, vous vraiment, vous pouvez croire ça? Mais, frère, que Dieu te bénisse, ma soeur. Tu es sincère. Est-ce que vraiment... Non, je pense pas que humainement, en regardant et puis en te regardant, toi, ma postérité, moi, même si j'avais 300 femmes. Maintenant, on peut peut-être proposer, c'est-à-dire, j'ai 300 femmes. Mais avoir quand même, comme, parce que quand je regarde le ciel, je regarde l'étendue du ciel, les étoiles que je vois, incontables. Amen, amen. Tu peux te dire, vraiment, mais la Bible dit qu'Abraham crut. Amen. Alléluia. Amen. Il eut confiance en l'Éternel. Il était sûr et certain que si Dieu l'a dit comme ça, que Dieu soit béni, ah ben il accomplirait. Et puis on pense que comme nous sommes des humains, on a toujours des raisonnements. C'est pour ça qu'il faut abandonner cela. Amen. Les raisonnements humains, comme si toi, tu peux aider Dieu et que Dieu est incapable, alors tu veux un peu l'aider comme cela. Dieu n'a pas besoin de ton aide, frère. Amen. Non, il veut que les choses soient impossibles. Pour qu'il t'éprouve, toi, que je suis Dieu et que tu es un homme. Non, tu n'as pas les facilités. Non, 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 il n'a pas besoin d'être facilité. Laisse-le dans les choses compliquées. Alors il va te démontrer que c'est dans ces choses-là compliquées qu'il aime bien se sentir bien. Pour maintenant t'éprouver, toi, qu'il est ton Dieu et qu'il peut faire l'impossible. Et Abraham, comme cela, comme il le disait, le Seigneur l'a dit effectivement, t'es possible. Alors je crois que humainement parlant, si on pense humainement parlant, on peut dire, ah, Dieu va me donner une flopée de bébés pendant. C'est-à-dire que même si je prends, là, j'aurai peut-être 5 à la fois, par exemple 5 ou 6 femmes à la fois, et puis me donneront 5 bébés. Encore, ça fait encore 10 bébés. Non, ça fait encore 10 bébés. 10, alors donc, normalement 15, donc, on peut calculer comme ça. Vous savez ce que ça il a fait? Vous allez arriver un peu, si Dieu permet. Regardez. Alors, donc on s'attendait peut-être qu'il donne 4 ou 5 ou 10 dans ce différent, enfin 10 bébés, on se dit que ça va vite maintenant. Non, c'est comme ça, parce que nous sommes toujours pressés. Hein. Humainement parlant, avec nos calculs des humains, on a dit que je vais avoir, parce que comme les étoiles du ciel, et maintenant je dois aider Dieu pour que j'atteigne une possibilité comme le ciel. Puisqu'il a dit, Dieu il a dit cela, c'est vrai. Voilà. Mais par contre, vous ne croyez pas vraiment ce qu'il a dit. Mais il a dit, je vais montrer qu'il a raison, donc je vais l'aider. Il n'a pas besoin de ton aide. Amen. Laisse-le prouver à tout le monde qu'il tient à sa parole. Amen. Mais voilà comment il a amené les choses. Il dit cela à Abraham, et Abraham continua son chemin qu'il devait marcher avec Dieu. Mais voilà qu'effectivement, en marchant avec Dieu, Dieu lui dit encore effectivement que marche en ma présence et sois intègre. Il lui rappelle aussi, je vais faire alliance avec toi en sorte que je serai ton Dieu. C'est toujours Dieu qui dit à Abraham. Je serai ton Dieu, et puis il dit, et les dieux de ta postérité après toi. Donc Dieu commence à pouvoir lui parler de sa postérité, effectivement, alors qu'il n'en avait pas. Est-ce que vous suivez, frère? Bref, bon, voilà. La chose étant maintenant, regardez la chose qui était tout à fait extraordinaire.
ce que Abraham était toujours avec Sarah, c'était sa demi-sœur. Oui, c'était ça. Mais c'est pour ça que nous épousons nos mariés avec nos sœurs, non? Mais c'est la vérité. Vous savez ça? Tu ne peux pas aller te marier en dehors. Mais c'est toujours avec parmi dans la famille. Dans la famille. Rebecca, Isaac, ils ont envoyé Jacob aussi. Notre famille. Là-bas, c'est mon frère là-bas. Vous connaissez, non? C'est comme ça que Jacob est parti trouver là-bas. Vous connaissez, non? Et comment il y a pas avec des filles. Vous connaissez ça, non? Sinon, ça, c'est le mariage et le mariage. On n'a pas dit mariage et divorce, on dit le mariage. Parce que souvent, on attend toujours mariage et puis. Non, nous, nous sommes dans le mariage. Amen. 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 Mariage, on regarde pas le divorce. Non, non, non. Mariage. Bref, donc. Alors Dieu parlant ainsi. Alors vous voyez, il a pris donc sa femme Sarah, finalement, il continue donc le chemin avec. Et pendant que Dieu avait parlé des étoiles à Abraham, Dieu n'oublie jamais rien. C'est vous qui pensez que le Seigneur m'a oublié. Le Seigneur ne se souvient pas. Non, frère, Dieu n'est pas un homme. Amen. Dieu est Dieu. Amen. Donc quand il dit quelque chose, il se souvient très bien parce que la parole que je prononce là, vous savez pourquoi il ne peut pas l'oublier? Vous savez pourquoi il ne peut pas l'oublier? Parce que c'est lui-même. Alléluia. Il ne peut pas s'oublier parce que c'est lui-même. Eh bien oui, au commencement de la parole, pour être avec Dieu, la parole était Dieu. Tout nous comprenons cela. Et il avait dit à Abraham, ceci, voici donc les ciels ainsi, et voilà que pendant que Abraham avançait, marchait effectivement, peut-être en tant qu'homme, on peut avoir oublié, mais Dieu se souvenait très bien. Mais pendant le processus, Dieu quand même lui rappelait, ta postérité sera, vous connaissez, Donc l'homme fut fortifié toujours par la parole de Dieu qu'il m'a donné. Dieu lui rappelait cela. Et voilà, on arrive à un certain moment, ben, sous son parcours, il a dressé une tente, effectivement, là. Alors, il y avait les chaînes de Mamré. Vous connaissez cela? Amen. Genèse 18, vous connaissez? Amen. Voilà, sur son chemin. Mais s'y attendant de rien. Dieu est bon. Amen. Puisque Dieu avait fait une promesse à cet homme, là où l'homme y allait, Dieu était. Amen. Parce que Dieu, Amen, il avait quelque chose avec cet homme-là. Il devait avoir, il a eu donc l'alliance avec cet homme-là dans Genèse 17. Continuez. C'est cela, non? La circoncision où Dieu lui a dit, vous me suivez. Amen. Genèse 17. Dieu fait alliance avec Abraham et lui fait comprendre que je serai donc ton Dieu et les dieux de ta postérité après toi. Voici donc les signes que je vous donnerai pour que vous soyez mon peuple. Que je suis à vous, vous êtes à moi. La circoncision. Abraham a été circoncis dans son âge avancé. Donc, Genèse 18, effectivement, qui serait posé sur les chaînes de Mamré. Bon, pensez peut-être pas, vous entendez, mais c'est comme ça que vous aussi, vous ne vous rendez pas compte que quand le Seigneur, notre Dieu, a eu la main sur vous, vous pouvez avancer, marcher et sentir comme s'il n'était pas là. Mais ce dont vous devez d'abord être sûr, c'est les liens que vous avez avec lui au plus profond de votre cœur. C'est-à-dire que quand vous vous tenez quelque part dans un lieu secret, vous savez que vous lui parlez, il vous entend. Et la personne à laquelle vous parlez, ce n'est pas une personne morte, c'est une personne réelle. Amen. Et que moi, avec lui, j'ai une relation réelle. Alors, effectivement, et là, Abraham s'est tenu à cet endroit, dressa la tente, se reposant, peut-être il ne savait pas qu'est-ce qui allait encore se passer. Et il voit trois là, personnes qui s'approchent de lui. Comme s'ils faisaient semblant de pouvoir partir, passer leur chemin.
Et voilà que l'intérieur d'Abraham a commencé à brûler à l'intérieur. Si tu es des dieux et que Dieu est en train de pouvoir faire quelque chose, il est impossible que tu restes insensible. Il y a toujours ce que nous répétons en disant « La profondeur appelle la profondeur. » Donc vraiment, si on a quelque chose de Dieu en soi, quand Dieu est là, ben vous devez le savoir. Et puis vous devez savoir aussi, frères et sœurs, une chose qui est très importante ici, si Dieu descend au milieu de nous, toi tu dois savoir que si Dieu est présent, il est venu pour toi. C'est-à-dire que moi, je dois savoir qu'il est là pour moi. Je ne regarde pas à mon voisin. Je sais que si le Seigneur est venu, est-ce que vous me suivez? Je ne pense pas très bien. Est-ce que vous suivez? Je vais juste encore aller un peu plus loin pour jeter. Regardez bien. Vous vous souvenez, nous en avons parlé ici. Il sortait, il marchait, la foule le suivait. Il y a un monsieur qui s'appelle Zachée qui est monté sur l'arbre. Le chemin où le Seigneur marchait, il n'allait pas pour la foule. Non. Alléluia. Amen, amen. Vous avez remarqué une chose, frères et sœurs. Dans le cœur de Zachée, avant que le Seigneur commence à s'approcher, effectivement, il y a eu le feu. Amen. Le feu, Zachée avait les désirs. Amen. De voir si Jésus, la profondeur qui appelle la profondeur, il a vu le feu de voir si Jésus. Il est allé même jusqu'à monter sous le sycomore. Alléluia. Et pourtant, il y avait encore la foule là, non? Les gens qui désiraient aussi le voir. Mais dans Zachée, c'était autre chose. Des désirs profonds, je le veux effectivement. Et pour quelle raison? Je le veux, je vais faire voir si Jésus, effectivement. En tout cas, s'il est venu ici, en tout cas, il faut que moi, je le voie. Amen. Si je reste plus bas là, il va pas, je vais pas le voir. Effectivement, il faut que je monte sur un sycomore. Et peu importe ce que les gens diront, mais c'est un papa. Et comment il peut monter sur un arbre comme ça? Non. Zachée n'a pas regardé ça. Il est petit là. Il dit, petit. Il s'est dit, mais viens Zachée, qu'est-ce que tu viens faire? Enfin, je parle. Viens Zachée, qu'est-ce qui se passe ici? Comment on dit? Tu viens, tu descends de l'arbre. Vous voyez, Zachée, le vieux là, avec la flamme là. Il commence à grimper. On dit, oh, tu es devenu agile aujourd'hui pour monter sur l'arbre, tu étais toujours là en train de pouvoir pédir, mais qu'est-ce qui se passe? Il s'est même plus regardé, dit non, l'empressement, je veux le voir, je veux le voir. Et quand le Seigneur, le maître dont tu voulais voir, passer tout le monde aussi s'empressait évidemment, et il voit, alors son cœur brûlait et brûlait, plus il s'approchait, il a dit, son cœur brûlait, dit, je veux le voir, je veux le voir. Et il voit tout d'un coup, paf, il s'arrête. Hey, monsieur. Donc il n'était pas venu pour tout ce monde-là. Parce que ce monde n'a pas montré l'empressement. Et là, il s'est tenu là. Et je sais, il y a quelqu'un qui... Il dit, non. Et puis il dit, je suis venu, il dit, Zachée. Seigneur, c'est dit, Seigneur, il est merveilleux, il dit, je crois que Zachée a failli tomber dessus pour moi. Il dit, comment connaît-il mon nom? Il y a beaucoup de monde ici. Il peut s'occuper de tout le monde. Il dit, mais moi, Zachée, petit comme ça. Il dit, Zachée, aujourd'hui, là. Oh, là. Ma soeur, il le fera pour toi aussi. Ne te dis pas, je ne vaux rien. Non, Zachée ne valait rien. Mais l'empressement dans son cas. Vous ne pouvez pas laisser passer ça. Mais quand il vient, oh, c'est comme un aimant qui attire. Vous voyez, sous son parcours, hein, même avant d'arriver là-bas, sur son parcours, Bâtiment mendiant la veille. Bâtiment. Qui pouvait retenir Bâtiment, monsieur? Le monsieur avait son manteau, il mendiait là. Il voyait rien. Alléluia. Mais il sent quelque chose. Il sent quelque chose. Il dit, mais qui a-t-il effectivement? Vous, je ne vois pas. Il dit, mais je sens quelque chose qui passe. On dit, oh, t'inquiète pas, Bâtiment, mais c'est les prophètes de Nazareth. Quoi ça?
Le prophète a fait dit, Jésus dit, allez, aïe, aïe. Il dit, il prend son manteau, paga. Mon frère. Oh, Zachée a commencé à crier. Fils de David, fils de David. On le fait de terre, mais tais-toi jamais. Il dit, celui-là, je le veux. Il dit, fils de David, parce qu'il a l'intérieur. Il dit, aïe, 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 aïe. Mais qu'est-ce que tu veux? Ah non, laisse-moi dire, fils de David, taisez-vous. Fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Alléluia. Jésus-Christ, notre Seigneur, est bon, mon frère. Frère, vous pouvez paraître insensible. Ce n'est pas possible. C'est qu'à l'intérieur, il n'y a rien. Et alors, quand il y a le blanc, et puis il s'arrêtait. Nous l'aimons, le Seigneur. Écoutez bien, parce que les gens le faisaient arrêter. Terre, effectivement, la louer, les pauvres, ils criaient en plein gosier. Lui, il semblait être loin. Hein. Mais les gens, on le regarde. Oui, il était loin, il dit, mais il n'entendra pas, il ne t'entendra pas. Non! Il s'est arrêté! Alléluia! Il dit, faites-le venir. Gloire au Seigneur. On dit à Zachée, on dit à Bartimée. Mais il t'a entendu, il te veut. Gloire au Seigneur. Et Bartimée, là, il est arrivé, effectivement. Tremblant, effectivement. Et puis, il lui pose la question. Ah non, Jésus-Christ, mon roi, il est bon, mon frère. Alléluia. Il dit, que veux-tu que je te fasse? Oh, j'aime cet homme. L'homme de Galilée, mon frère. Il est merveilleux. Bartimée savait très bien que ses yeux, c'était impossible. Et que les gens savaient aussi avec lui qu'il allait mourir avec. Non, Jésus est bon, frère. Il était désespéré par la nature, lui disait que tu es condamné. La médecine lui disait que tu es condamné. Gloire à Dieu. Mais quand Jésus passa, l'attraction, monsieur. Alors quelque chose monta dans cet homme Bartimée. Il a crié en disant, fils de David, moi aussi je suis là. Postérité d'Abraham. Alléluia. Oh, je sais que c'est pour moi que tu es venu. Je sais que c'est pour moi, Bartimée, que tu es venu et que tu passais ici. Alors, il faut saisir l'occasion. Ne reste pas comme cela, ma soeur. Ne sais pas, mon frère, ma soeur. Tous les jours, c'est plein de... Ah, ma vie ne change pas. Mais il est là. Il passe le chemin. Mais toi, tu dois sentir qu'il est là. Et crois vraiment qu'il est venu pour toi. Tous ces gens, ceux qui ne peuvent pas déjà, ils disent, mais moi, je sais que tu es venu pour moi. Alléluia. C'est ça, mon frère, c'est ça, ma soeur. Quand Jésus est là, c'est pour toi. Il faut, parce qu'il est à toi. Mais c'est sûr, c'est sûr. C'est vrai. C'est sûr et certain. Il n'est pas pour quelqu'un d'autre. Non. La foule, ce n'était pas ça qui l'intéressait. Mais c'est toi. Oui. Et quand il passait, mais c'est toi qui l'intéresse. Et quand il vient, c'est pour toi personnellement. La femme en perdait ça. Non, je l'aime, mon frère. Jésus, notre Seigneur, ne peut pas t'oublier, frère. Il ne voit pas ma souffrance, il ne voit pas ceci. Non, il voit ta souffrance. Et quand tu le cries à lui, il va venir. Alléluia! Jésus n'est jamais absent. Alléluia! Toujours présent. Ça, il est le Jésus toujours présent, jamais absent. C'est à toi.
de pouvoir savoir que s'il est là, c'est pour moi. Femme, si je puis simplement toucher les bords de son vêtement. Pensez à cela. Il a tendu la main. Mais tout le monde, même les disciples ont dit, mais Seigneur Rabbi, Rabbi, tout le monde ici, il te touche. Tous te touchent. Nous le voyons comment il se précise pour te toucher. Alléluia. Tout le monde me touche. Mais là, gloire à Dieu. Parce qu'au dedans de la femme, c'était pas les autres comme ça, ils pensaient. Non, au dedans de la femme, il dit, moi aujourd'hui, j'ai pu toucher les bords de son vêtement. Je dois trouver un moyen. Je dois trouver un moyen à l'intérieur. Parce que s'il est là, c'est pour moi. Mais cette main-là n'était pas semblable aux autres mains. Donc, elle avait la foi, elle avait l'espérance. Elle a reconnu effectivement son jour de visitation. Il dit, ce jour-là, c'est mon jour à moi. Pas aux autres. Je ne vais pas regarder comment les autres vont réagir. Ce n'est pas mon problème. S'ils sont des glaces, moi, je vais être bouillant. Oui, monsieur. Parce que la glace refroidit. J'éloigne la glace. Bien sûr. C'est ce que le Seigneur nous a dit. Puis-je être bouillant. Pas tiède, hein. Un petit peu chaud, un petit peu froid, un petit peu chaud, un petit peu froid. Non, il faut être bouillant. Amen, amen. C'est pour ça que quand vous êtes à côté de la glace, je vais m'éloigner loin de la glace. Parce que la glace, quand tu es alléluia, Dieu vient. Donc il te met le froid. Oh, il dit, oh, c'est comme Bartimée, non? La glace venait, tais-toi. Et Jésus, fils d'Abraham, fils de David, il criait donc. Donc il poussait la glace loin. Il criait de tout son cœur parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas laisser passer. C'était donc son jour. Mon frère et ma soeur, nous sommes entrés dans 2022. Soyez bouillants. Oh, dans notre entreprise, on va faire un licenciement. Sois bouillant. C'est ce que Dieu attend de toi et de moi. C'est ta position là. Parce que Jésus est là. Pour toi. C'est sûr et certain. C'est ce que toi tu dois savoir. C'est pour ça que quand il s'est approché, c'était comme s'il passait, semblant au passé, Abraham a senti. Le bouillonnement a commencé. Ah, que Dieu nous aide. Il est merveilleux. Alors, Abraham, parce que personne ne lui a rien dit. Il voit, c'est lui-même avec un pressement qui court. Il dit, mais puisque vous passez près de votre serviteur. Donc, il s'est pris de votre serviteur. Ça veut dire qu'il est bien, puisque vous passez près de votre serviteur. Prenez place. Et l'empressement était que on va vous laver les pieds. Il est nécessaire pour vous. Les cibles à vous reposer, on fait le nécessaire pour qu'on vous lave les pieds. Et puis après, on vous offre quelque chose de bon manger avant de pouvoir continuer votre chemin. Vous vous souvenez, nous avons vu. Et il ne les a pas appelés mes seigneurs. Il a dit, ah, c'est leader.
Et il lui a dit, bon, fais ce que tu as à cœur de faire. Il est allé donc dans son troupeau là. Il a pris, c'est pour ça. Il a pris vraiment le meilleur. Pas celui qui semblait déjà commencer à pouvoir pourrir là. Parce que, c'est pas grave, on va donner. Ça, beaucoup mourir quand même. On va donner toujours. Amen. Vous savez, quand vous voulez vraiment faire quelque chose pour Dieu, pour un exemple, il faut toujours faire très attention. Je parlais avec Abraham, il a pris les meilleurs. Regardez, frère, c'est pour ça que si le Seigneur ne vous oblige jamais de faire le bien, à pouvoir faire quelque chose de bien, il ne vous oblige pas, mais il vous montre en fait la différence. Et ça doit venir du plus profond de son cœur pour pouvoir le faire. Les jours de la Pentecôte, tout un chacun de ceux-là, la parole avait touché le cœur. Il dormait, il s'élevait le matin. La nuit, il pensait à mon frère, là, je dois. Il donnait toujours de tout leur cœur. C'est lui qui avait l'hermie. Il est venu amasser autant. Il a déposé aux pieds des apôtres. Là, il dit. Et, vous connaissez, non? Je crois que c'est Joseph, ou je crois que c'est Marie. La Bible, je pense, je vais te dire, acte 4, je pense que ceci, c'est 4, ou c'est cela, je pense que c'est cela. Ah ben voilà. Ah, acte 4, verset 32. Il dit, nous revenons dans ce que nous disions tout à l'heure, avec Abraham. Hein? Vous vous souvenez, non? Il a pris le meilleur. Vous comprenez, quand Dieu est dans l'intérieur, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Vous entendez cela? Est-ce que vous suivez? Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient les prix de ce qu'ils avaient vendu, et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait distribution à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, il vendit un champ qu'il possédait et apporta l'argent et les déposa aux pieds des apôtres. Mais voilà qu'il y a un homme nommé Ananias, chapitre 5, verset 1. Avec aussi Saphira, sa femme, il vendit une propriété et revint et retint une partie du prix. Et sa femme le sachant, puis il apporta le reste et les déposa aux pieds des apôtres. Pierre dit à Ananias. Donc c'était un homme vers qui, hein? Et les apôtres, je ne sais pas, parce qu'ils ont eu à pouvoir vendre effectivement son mari, sa femme le savait, et ils sont venus pour apporter le reste et les déposer aux pieds des apôtres. Alors Pierre lui dit une chose. Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ. Maintenant, écoutez bien, c'est ce que moi j'ai aimé, cette parler qu'il nous a dit. Il dit, s'il n'eût pas été vendu, n'intéressait-il pas? Donc, mais le champ est à toi. Il est à toi, donc Dieu ne t'a pas forcé. Il dit, mais, et après même qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition, dont tout était à toi? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, qu'est-ce qu'il fit? Tomba et expira. Une grande crainte donc saisit tout. Alors, ils ont copié, en fait, ils ont vu ici, donc, c'est Joseph, donc, qui a vendu son champ qu'il possédait et qu'il apporta l'argent et les déposa aux pieds des apôtres. Alors, et aussi, regardez, dire, ah, oh, quand même, bon, on va quand même faire. Parce que ce que Joseph a fait, c'est que c'était de tout ton cœur. Il voulait. Parce qu'il nous voyait. C'est qu'il, parce que vous savez, je ne vais pas rentrer dedans quand même, enfin bon. Mais bon, c'est mal la question. Mais il le faisait parce que son intérieur était vraiment convaincu avec beaucoup de joie. Mais les autres, là, ont voulu copier, effectivement, et cette manière de faire. Ils n'ont pas donné la meilleure partie à Dieu.
Ils se sont entendus, mais c'est mauvais en fait. Ils se sont entendus, mari et femme, effectivement, dit, ben voilà, ah, ça, on peut pas, non, on regarde là, et puis on va faire ceci, effectivement. Et il dit, bon, on va le faire quand même, parce qu'ils vont pas savoir, et tout. Qui va le savoir? Il dit, Pierre, c'est un homme. Et puis, de toute façon, ben, c'est, et puis, c'est aux hommes, c'est à Pierre, c'est un homme auquel on a apporté quand même, c'est donc tout le monde a apporté, effectivement. Et Pierre était tranquille. Et quand Ananias arriva devant lui, il lui dit, est-ce à ce prix-là que vous avez vendu votre pote? Ah oui. Ça, c'était la femme, parce que l'homme était déjà mort, vous connaissez, non? Puis la femme vient aussi là. Il dit, est-ce à ce prix-là que vous avez... Il dit, bon, pas de problème, mais ceux qui ont emporté ton mari... Toi aussi, tu suivras les chemins. Et elle est partie comme ça. Alors, mais Abraham, par contre, c'était différent. Abraham, quand il a reçu, c'était vraiment de tout son cœur, parce qu'il a profondeur, pas la profondeur. Il avale les billets, effectivement, de celui qui était là, de ce qui était là, effectivement, aussi bon. Et puis maintenant, il a là, maintenant, prendre le meilleur. Dans son pot là, le meilleur des tendres, des bons, des vraiment, de ce que quand tu vois, il dit, mais c'est ça qui devait revenir à moi, mais c'est pour Dieu que je vais le faire. Alors, pendant ce temps-là, ceux qui étaient là assis, ils disaient absolument rien. Oh, regardez, le Seigneur sondait le cœur pour voir de quelle manière Abraham allait... Parce que Dieu voit dans les détails. Hein. De quelle manière Abraham allait le faire, c'est de tout son cœur, ou bien il allait vraiment, ou ce qu'il avait quand même prendre le vieux là, comme tu vois le vieux bouton, dont déjà peut-être l'œil est déjà, il sait plus qui peut l'acheter, mais il dit bon, comme c'est l'occasion qu'il m'est donnée, hein, avec ces gens qui passaient, eh ben, je vais égorger ces moutons là, ils verront pas la tête. Ils verront la partie ici. Mais c'est comme ça, non? Tu ne vas pas amener la tête. Non, tu vas pas tu vas te décoller là. Et puis tu viens avec un pressement. Mais Dieu savait tout. Il a regardé l'intérieur d'Abraham. Abraham est parti, il a fait le meilleur, mais vraiment de tout son cœur, avec crainte, avec tremblement. Il ne pensait pas, oh, si je lui donne ça, comment je vais encore continuer. Non. Vraiment de tout son cœur, il a fait, il a amené ça. Et voilà que. Il le regardait tout simplement. Il ne disait rien. Et bon, il a apporté ça, effectivement. Ils ont dit là. Et c'est après, dont Dieu est bon. Après avoir vu l'empressement d'Abraham, il ne l'a pas laissé passer. Il n'a pas pris un mouton qui avait les yeux déjà borgnés, tout ça, et qui boitait. On ne pouvait même pas vendre à quelqu'un. Il a pris le meilleur qui veut gagner de l'argent dessus. Il a pris le meilleur là, et puis avec du lait, tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est vraiment important pour que quand l'homme mange, il se sente qu'il veut bien manger, et que mes intestins, ça fonctionne bien. Parce que parfois vous mangez quelqu'un quelque part, il était en colère, vous commencez à sentir votre ventre, brouh, parce qu'il veut pas, ça veut pas rester dedans. Il dit, cette nourriture que tu as mangée, on a mis en bord la colère, dispute avant, elle vaut mieux que tu l'évacues. Mais ce qu'Abraham avait fait, il priait pour que ça se fasse du bien, la bonne santé, que celui qui mangerait se sentirait bien et soit heureux, tout ça. Alors quand Dieu a vu ça, à l'intérieur de Dieu, ça montait. Il regarde Abraham. Ah, Dieu soit béni. Il dit Abraham. Abraham pensait que Dieu l'avait oublié. Mais c'est dans cette occasion-là que Dieu voulait maintenant accomplir ce qu'il avait dit à Abraham. Mais Abraham devait faire quelque chose, montrer à Dieu que vraiment que ce Dieu l'a représenté beaucoup pour lui, qu'il pouvait tout donner, effectivement, parce qu'il avait trouvé ce Dieu-là. Et Abraham, Dieu regardait, puis quand Abraham a terminé, puis il a fait tout parce qu'ils ont mangé, et puis il dit, Abraham, où est donc Sarah, ta femme? Vous savez, c'est souvent ça. Que Dieu nous aide à pouvoir quand même avoir beaucoup de considération. Si c'était peut-être quelqu'un d'abord qui était d'abord fâché, quand pour dire bon, vous savez, manger, je vais aller manger, bon, on n'est pas parti, et puis il entend qu'on cherche sa femme. On dit, mais où est ta femme? Il dit, non seulement je les ai mangés, donnés à manger, mais maintenant il commence à chercher ma femme. Qu'est-ce qu'ils ont? Mais c'est comme ça, souvent c'est comme ça que vous êtes en fait. Quand on demande tel, par exemple, si c'était une femme ou une jeune soeur, ah, mais pourquoi? Tu commences à travailler dans la tête. Frère, c'est terrible, hein? C'est vraiment terrible. Nous avons toujours des pensées impures.
on marche toujours avec les pensées souillées. Parce que Dieu, au reste, qu'est-ce qui est pur? Soit l'objet de vos pensées. Abraham, lui, il avait des pensées pures. Déjà, à commencer par d'abord son attitude. Et par sa façon de faire, il ne pensait rien de mal. Quand on lui a dit, où est Sarah, ta femme? Il n'a même pas pensé du mal. Il n'a pas dit, mais pourquoi vous le cherchez? Vous n'avez pas bien mangé. Quand tu commences comme ça, la bénédiction passe. Évidemment, toujours. Non, Abraham n'était pas comme ça. Son cœur était pur. Il pensait bien. Il dit, vous cherchez Sarah? Ah, il n'y a pas de problème. Il est sous la tente là-bas. Avec bonheur, vous comprenez, avec bonheur, il faut que nos pensées soient changées aussi. Toujours voir le mal, toujours voir ceci. On dit comme ça, c'est toujours, ah, il a l'intention, et il a ceci, c'est frère. On ne peut pas vivre sans intention. Bon, que Dieu nous aide. Et Abraham, lui, pas de problème. Je dis, elle est là. Et Seigneur, regardez tout ça. Et puis, il dit à Abraham, Abraham, je reviendrai vers toi à cette même époque. Ah, il se souvient de la promesse des étoiles. J'aime Dieu. Hein? Alors, on pourrait dire que Dieu va faire la promesse, donc il va accomplir cela. Il va maintenant donner à Abraham des triplés ou des quadriplés. Ah ben oui. Oui, parce que pour qu'on accélère pour les étoiles. Abraham, c'est souvent ça notre problème, frère. Nous ne connaissons pas le Dieu que nous servons. Il lui a fait un cadeau, un enfant. C'est-à-dire, je revenais à cette même époque. Sarah, ta femme ici, t'enfantera pas de triplés, pas de quadruplés ou de simplés. Ou même de ses plaies. Mais de un plaie. Que Dieu te bénisse. Oui, parce qu'on pouvait s'attendre à des simples. Et Adam a dit non. Un seul. Et alors il dit non, Dieu est bon. Il a une sagesse extraordinaire, frère. Nous devons simplement nous humilier. Il dit. Tu l'appelleras du nom de Isaac. C'est Dieu qui a dit. Amen. C'est pour te dire que je ne te donnerai pas une fille. Alléluia. Amen. Mais vous ne comprenez pas, c'est ça. Il dit, tu donneras un fils. Et puis tu lui donneras le nom d'Isaac. Vous comprenez ça? Et puis Abraham dit, ah, Isaac. Et puis Dieu le rappelle. Ah oui. Il dit, c'est un Isaac ici là. Amen. Que tu auras donc une. Voilà. Donc dans un seul là. Et les étoiles du ciel, mon Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Là, ça rentre un peu. Oui. Vous êtes toujours pressé. Et vous voulez que Dieu fasse directement des... Mais pour faire des... Il commence par la voie qu'il a choisie. Et il dit à Sarah, il dit, ben, Sarah, ta femme t'enfantera un fils. Tu vas lui donner le nom d'Isaac. Il dit, ah, Isaac sera nommé pour toi une postérité. Ah, wow, Dieu qui n'oublie pas sa promesse, il vient de l'accomplir effectivement en me rappelant en fait que la postérité dans ce, en Isaac, que je pourrais l'avoir. Maintenant, vous savez, quand Dieu a dit une chose et il doit l'accomplir. Mais nous, parfois, sur le chemin, nous sommes toujours pressés. Abraham est resté toujours imperturbable. Alléluia. Amen. Puis, on a avancé. Puis, Sarah, vous savez ce qu'il a fait? C'était pas Abraham. Vous avez compris? On n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais bon. Et puis, Dieu dit, ce n'était pas ce moyen-là que moi j'avais dit. Tu ne peux pas me faciliter la tâche.
Parce que Sarah a voulu faciliter à Dieu la tâche. En disant que bon, je me vois, moi, je suis bien, effectivement, alors Abraham, bon, et je te donne donc ma servante. Comme ça, quand il va accoucher, je prendrai le bébé, ce sera comme si c'est ça que Dieu a donné. Mais Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit, mais ce sera par ta servante. Non, 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 il a été clair. Sarah, ici, ta femme, t'enfantera. Restons dans le programme. Croyons simplement, même si je me regarde que la condition n'est pas née, je ne peux pas prendre l'humain et le mettre dedans. Parce que je lui dis, on ne peut pas faciliter quelque chose à Dieu. Quand Dieu a dit, même si c'est impossible, il va l'accomplir. Et le temps donc arriva, Abraham persévéra, croyant ainsi, son temps arriva. Et Dieu restaura Sarah et aussi Abraham. Il faut comprendre. Vous avez compris. Amen. Abraham et Sarah ont restauré. Et alors, il y eut donc un bébé. Sarah tombant donc, elle qui était stérile depuis la naissance. Depuis toujours que les années qu'ils ont avancé avec Abraham, rien ne s'est passé. Tout était toujours sec. Ah, Dieu est bon. Amen. Mais une bonne nuit, comme on dit un bon matin. Sarah a commencé à se regarder. Oh. Vous savez comment vous laissez ça? Je ne vais pas faire les dessins. Non. Ça c'était vraiment dit parce que il va vraiment pas dans les dessins. Mais vous avez compris. Et puis vous connaissez tout ça. Hein? Et puis, oh, il dit c'est pas possible. À mon âge, eh ben, c'est même caché. Il dit qu'est-ce qu'on dira? Qu'est-ce qu'on dira? Mais c'est ce que Dieu avait dit. Et puis, quelques temps après, il a eu son bébé, son Isaac, comme Dieu l'avait dit. Dieu est fidèle dans sa parole. Il y a eu des difficultés, des épreuves, mais Dieu avait dit. Il a touché au moins 10 mois qui étaient stériles. Moi, dont les femmes étaient même mises en chanson. On disait que plus jamais, ça ne peut même pas l'aider. Aujourd'hui, j'allaite. Vous savez, quand vous avez 62 ans, ou bien, enfin, 73 ou 80, vous connaissez comment c'est. Je ne fais pas faire des dessins, la sœur a dit non. Je ne fais pas le dessin. Mais quand Isaac est venu au monde, ah, parce qu'il n'y avait pas de biberon, hein. Il fallait qu'il y ait un biberon. Le vrai, là. Ah. Isaac était heureux. Il ne savait pas que c'était une femme des années 73 ans. Okay. Vous comprenez? Le bébé était content. Dieu fait l'impossible. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose qui soit impossible? Difficile de la part de Dieu, aucunement. Et c'est comme cela que Isaac grandit aussi. Et vous savez ce qui s'est passé avec Ismaël Agar. Dieu savait quand même, c'était quand même d'Abraham. Il ne pouvait que prendre soin. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai jamais vu la postérité du juste abandonné. Et sa postérité, donc, dans les mondiales, la pensée, dans tes capable. Mais, chasse l'esclave et le fils. Parce qu'il ne pourra pas hériter, parce que j'avais bien parlé d'Isaac. Galates chapitre 4, c'est écrit, non? Vous êtes comme Isaac. Alléluia! Amen! Oui, c'est. Et qui, vous voulez que je vous lise? Amen.
voulez que je lise ou... Ah ben, c'est écrit dans Galates 5, Galates au chapitre 4, oh, c'est cela, oui. C'est cela, oui, c'est cela, oui. Voilà. Verset 20, il dit, je voudrais être, Galates 4, verset 20, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer les langages car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi donc, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Et celui de la femme libre naquit en vertu de quoi? La promesse. La promesse. Ces choses donc sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère, car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate épouse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de quoi? La promesse. Et c'est ça. Amen. C'est cela. En Isaac, il avait dit, en Isaac, sera nommé pour toi une postérité. Et voilà qu'il y a eu cet Isaac avec beaucoup de joie dans l'allégresse. Abraham a eu à pouvoir oublier toutes ses souffrances. Et puis un beau matin, un jour. Si les vents étaient occupés comme ça, il entend la voix. Je vous l'ai dit qu'Abraham était toujours habitué à offrir des holocaustes, des brebis, des agneaux, tout ça. Pour ce Dieu. Vous vous souvenez? Amen. Nous avons parlé. Vous avez suivi vraiment tout ça. Amen. Un beau matin. Un beau matin. Parce que celui que vous dites aimer, vous devez avoir confiance en lui. Et avoir une communion réelle. Frère, il ne faut pas faire de bruit, ma soeur. Et chanter, ah, oh, je chante Alléluia. Mais tu chantes Alléluia, tu fais du la bouche, effectivement. Mais tu ne sais pas pourquoi tu chantes Alléluia. Et pour qui tu chantes Alléluia, qui est-il pour que tu chantes Alléluia pour lui? Parce que, frère, pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur, quand vous chantez des cantiques, faut pas faire de bruit comme les gens qui sont. Ben, je vous ai toujours dit, effectivement. Moi, je donne toujours. Moi, je parle aux fils et filles de Dieu. Amen. Ceux que Dieu m'a donné. N'allez pas suivre tous les arts, des belles clips du monde que vous avez. Il y a des gens qui parlent de Jésus et qui mettent la musique. Que vous écoutez chez vous à la maison. C'est pas bon. C'est pas bon du tout, mon frère et ma sœur. Ces gens-là ne chantent pas pour Dieu. Ces gens-là, ils sont saisis par des esprits, effectivement. Ils essaient de voir chanter pour que retirer l'argent, la gloire, se faire connaître. C'est comme ça, vous voyez leur nom, Sœur celle-là, c'était Alléluia, oh Jésus. Alléluia. Puis tu vois les danser. Alléluia, oh Jésus. Alléluia, oh Jésus. Et donc, sœur, c'était tu sais. Oh, sœur, je ne sais pas comment on peut appeler. Sœur Bitabé, par exemple. Bon. Non, c'est simplement parce que je peux prendre le nom d'un fruit. Je prends le nom de quelqu'un, on va dire, ah, mais les frères en ont contre quelqu'un. Non, je prends le nom de Bitabé. Tu sais qui? Je pense qu'il y a personne qui s'appelle Bitabé quand même. Ah, tout ça. Tu sais, quand ils deviennent célèbres, ils changent leur nom. Hein. S'il était Bitabé. Ah oui. Ça, ah oui. Oui, ils trouvent un autre nom qui sonne bien. Donc moi, je prends ça à Bitabé parce qu'il n'y en a pas. Donc il se met en avant, c'est avec tout le monde derrière qui font comme ça. Ah, alléluia. Oh, et puis, vous dites, oh, quel cantique. Un frère avec. J'avais écouté que ça dit, serbitabé. Et puis vous venez aussi, maintenant, vous aussi. Donc c'est alléluia. Oh, comme c'est habitabé. Mais non, monsieur, madame. Non.
Non. Il faut que vous chantiez un cantique que vous ressentez vraiment que c'est mon Dieu que je glorifie. Je ne sais pas, mais que Dieu nous aide. Souvent, on est mal compris. Ne comprenez pas mal. Comme le Seigneur disait, mais pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Mais c'est pour vous. Mon frère et ma soeur, toi et moi, nous devons, le matin, nous nous levons, nous chantons des cantiques de Sion, nous entendons des cantiques qui transportent notre cœur, notre âme. Mais quand vous entendez des cantiques, vous n'allez plus vous-même comme ça. Ma soeur, les cantiques du matin, c'est pour adorer. Mais toi, tu commences déjà, il crie. Mais quand est-ce que tu vas adorer? Tu es déjà dans les... Est-ce que vous comprenez? Non, vous n'avez même pas soif de prier. Vous avez, il y a des cantiques comme ça. Vous vous levez, vous sentez déjà. Ah, et vous savez, il remet son vêtement dans l'escalier. Ah, ah. Mais quand est-ce que tu peux sentir les désirs de se mettre à genoux et prier Dieu? Des choses qu'on appelle des choses de distraction. Et c'est ça que vous aimez dans la voiture. Vous êtes sur tout volant là. Frère, sois concentré pour prier Dieu et pas une main de l'accident. Alors que toi tu es. Et Jésus. Non. C'est la distraction au volant. C'est un danger. Que Dieu nous aide, que nous comprenons que notre Seigneur, notre Dieu, nous veut du bien. Mal, effectivement, il veut un peuple saint, un peuple pur dans le cœur. Parce que imagine que c'est au moment où il vient. Toi, tu dis, non, la trompette a sonné, tu n'entends rien. La sœur Bitabé, là-bas, il est amené dans l'ambiance, mais la trompette a sonné, tu ne t'en veux pas. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu es, oh Seigneur Jésus, gloire à toi, à la trompette sonne, tu dis, alléluia, je suis là, Seigneur. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu une illustration pour que vous compreniez. C'est que c'est effectivement un rapport avec cela. Donc, voyons que Abraham, pendant donc, il était là chez lui et. Il entend donc une voix qui lui dit. Abraham, il appelle bien par son nom. Lève-toi. Prends ton fils. Ton unique là. Il a bien cité comme ça. Hein? Genèse 26. C'est lui que tu aimes bien là. Beaucoup là. Prends-le et ajoute, viens me l'offrir à moi sur une des montagnes que je te montrerai. Alors, frères et sœurs, quelqu'un qui savait très bien que jamais, depuis qu'il connaît Dieu, n'a jamais entendu Dieu lui parler pour lui dire que je vais manger un être humain. Mon frère et moi, on n'a jamais entendu ça. Mais Dieu demandait ce jour offrir des agneaux et des brebis, ainsi de suite. Vous connaissez, non? Et ces jours-là, il entend la voix qui lui demande de lui offrir un être humain. Celui que lui aimait tant là. J'ai dit, offre-le-moi. C'est-à-dire que tu viens avec lui, comme tu m'as toujours offert des holocaustes. Vous savez comment c'est? Vous venez. C'est important que vous prêtiez attention. J'ai sauvé le temps pour vous. Et puis, on n'a pas encore terminé. Il dit, prends-le, tu viens avec lui pour me l'offrir. Et Abraham savait très bien ce que cela voulait dire. Mes frères et sœurs, quand Abraham a entendu cela, on ne l'a pas vu piquer une crise.
Et se tourner par terre. Qu'est-ce qu'on me veut? Moi, qu'est-ce que j'ai fait au monde? Et ceci, non. Il n'a pas couru à gauche et à droite pour pouvoir. Non. Abraham n'a pas piqué des crises. Abraham n'a même rien dit à sa propre femme. La Bible nous dit que il n'a même pas dit que arrière de moi, Satan. Parce que ce que tu dis là, c'est pas possible. Et puis, non, Dieu ne peut pas me dire ça parce qu'il m'a dit lui, qui lave, et puis tu me demandes de voir. Et non, ça vous rappelle quand même quelqu'un, non? Pierre. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez, frères et sœurs, des élus de Dieu, même s'ils ont vécu dans l'autre époque, et ben, avec l'action de Dieu. Parce que c'est quand on est un élu, on a le même esprit. Amen, amen. Tout à fait, amen. Tout à fait. Ça c'est vrai. Amen, amen. Ça c'est vrai. Si tu es un élu, parce qu'Abraham était un élu, tu auras aussi la patience qu'avait Abraham. Amen. Ce sûr et certain, c'est que il n'y a pas de différence. Par rapport et devant la parole de Dieu. Mais Abraham n'a pas fait cela. Il a pris son fils et il est parti. Pour vraiment atteindre les lieux que Dieu voulait qu'il puisse, que Dieu puisse lui montrer. Parce qu'il dit, je te montrerai. Et alors, quand il est arrivé, alors, qu'est-ce qu'il a fait exactement à l'habitude pour montrer qu'il avait cru à ce que la voix lui a dit, donc Dieu lui a dit, et il allait vraiment obéir 100%. Pas dire que je pense que je vais peut-être faire comme ça. Non, il allait vraiment obéir 100% à cette voix parce qu'il savait que c'était la voix, la même voix qui lui a parlé, qui lui a dit que tu auras un enfant, que tu auras Isaac, et ceci et ça, Isaac, c'est pour une postérité. Il dit, c'est la même voix qui me demande de tuer cet enfant. C'est pour ça qu'il faut avoir une communion avec Dieu. Quand Dieu a fait une fois une chose dans ta propre vie, il va le refaire. Si tu es dans les mêmes circonstances. Frères et sœurs, ne soyez plus comme des enfants qui reculent. Soyons maintenant de ceux qui avancent. Ma chère, en connaissant Dieu. Et vous qui êtes déjà quand même des parents, quand vous avez des problèmes dans votre foyer, pourquoi aller chercher des juges? Pourquoi aller chercher des gens de l'extérieur? Pourquoi aller exposer ton mari, aller exposer ta femme et tout ça? Vous deux, dans votre maison, vous savez régler les problèmes dans votre maison. Pourquoi aller chercher sœur Bitabé pour lui raconter ton problème? Ou même frère avocat. Donc je parle de fruits. Hein. Oh, et je sens que je dois parler. Mais si tu veux parler, parle à Dieu. Non, je sens que je dois parler. Hein, ce qui se passe chez moi à la maison. Mais ce qui se passe chez toi à la maison. Mais c'est avec toi et ta femme. On ne veut pas. Je dois parler. Mais dis, mais oui, mais pas de problème. Dieu t'a donné les genoux. Si vous avez déjà fait au moins 150 ans dans le message. Il n'y a que des citations que vous avez à la bouche. Il faut que la vie suive. Amen. Eh ben. Alléluia. Non. Il y a, j'étais heureux de voir notre frère, j'espère qu'il est toujours là, notre Saint Salem. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Donc, dans ta maison, toi. Quand il y a un souci, un problème, effectivement, tu dis, ne va pas exposer ta femme à l'extérieur. Toi, femme, ne va pas exposer ton mari, même s'il a fait. Parce que vous allez m'en vouloir, dit les frères. Je dis, vous pouvez en vouloir, il n'y a pas de problème. Même si les frères a fait, même si la sœur a fait, est-ce que la Bible te dit, toi, d'aller sortir avec la radio au capi pour exposer
Voyez-vous comment moi je suis saint ou que je suis sainte. Voilà comment ma femme elle est immorale et voilà comment mon mari est immoral. Dieu t'a demandé ça. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? L'amour couvre une multitude. Je sens la flamme dans moi, il faut que je parle. Je veux que je vide. Il dit, il n'y a pas de problème, mon frère. Je vais te monter l'endroit, il faut vider. Mais c'est ça. Lui, il a dit, venez à moi. Vous êtes fatigué, chargé. Vous videz chez moi, videz chez moi. Et quand vous avez vidé, je retire le fardeau. Vous partez en repos. Réglez, mon frère, c'est terminé. Parce que, écoutez-moi, frère. Qui peut régler votre problème? Votre voisin? Non. La cour du tribunal? Non. D'ailleurs, eux-mêmes, quand ils sont là, ils ont des problèmes. Il n'y a qu'un seul qui n'a aucun problème et qui a la solution à tous vos problèmes. Je reviens encore à ce que beaucoup pensent de moi, mais cette solution-là, personne ne l'avait. Tu pouvais aller voir les juges, les pharisiens, les docteurs de la loi et tout ça. Personne ne pouvait solutionner le problème de la femme surprise en flagrant délit. Trouvez-moi quelqu'un qui pouvait la solutionner. Il pouvait aller expliquer à tout le monde, même s'il expliquait à tout le monde, il avait dit là, le problème était la sentence. Mais il y a eu un homme. Vous connaissez vous-même. Donc, il a la solution à tous les problèmes insolutionnables. Eh bien, déposez cela, il faut que vous arrêtiez. Oh, je vais te dire, il a fait. Bon, pour les jeunes, je crois peut-être que c'est encore maintenant, peut-être qu'il doit encore apprendre beaucoup de choses. Mais vous, il y a 6, 40 ans, vous êtes mariés. Elle était bonbon quand vous êtes mariés au début. C'est ça, on vous pose la question. Est-ce que je vous ennuie? Non! C'est ça le problème. Et puis parce que quand vous disiez, écoute, ne pensons pas qu'il y ait vraiment... Vous allez me tuer, moi je ne peux pas. J'ai vu Dieu m'a parlé, j'ai vu Dieu dans ce. Frère, ma soeur, je vais donner mon témoignage. Non, non. J'ai dit, mais ma soeur, frère, vous pouvez quand même. Non, 6 mois, ça moi, je vais mourir, je vais me suicider, je vais m'envoyer en dessous des trains, en dessous des trams. J'ai dit alors, pour ne pas t'envoyer en dessous des trams, parce que nous voulons que tu sois vivant. C'est comme ça, hein? Toujours comme ça. Surtout, vous savez, c'est comme quelque chose qui vous rend ivre. Vous n'entendez plus personne. Il faut être un fils de Dieu, un fort. Hein? De tous les côtés, hein? Tous les jeunes là que vous voyez là, ils vous regardent comme ça, ils vous causent toujours, pasteur, parce que quand nous allons sortir, nous allons faire notre chemin. Mais on sait cela, oui, c'est vrai. Ils sont là, ça veut dire, bon, de toute façon, vous allez sûrement voir. Hein. Bref, on rate pas là-dedans. On revient ici. Donc, nous comprenons qu'effectivement, que Dieu veut que nous puissions adopter une attitude des hommes et des femmes qui ne sont plus au lait. Mais il faut que ça s'arrête ici aussi, chez vous, ici, vous savez, de toujours, oh frère, je vais te voir pour ma femme. Oh frère, je vais te voir pour mon mari. Non. Ceux qui viennent de se marier, je comprends. Mais vous qui avez passé quand même des années. Et en plus, vous êtes ici à l'Assemblée, tous les mardis, tous les jeudis, tous les dimanches, vous entendez. Et souvent, mais c'est ce qui est dangereux, c'est que le mari, il est assis. Vous me permettez? Le mari, il est assis. La parole de Dieu parle effectivement à la femme. Il voit que ouais, c'est pour ma femme. En tout cas, Dieu soit béni. Ah, que ma femme entende, hein, qu'elle comprenne effectivement. Donc lui, il est étranger. Il ne se remet pas en question. Il dit, mais quand même, si ma femme doit entendre, venez. Et moi-même ici. C'est toujours son sujet. Hein. Et la parole de Dieu, c'est comme les ailes d'un canard. Vous mettez de l'eau.
ça fait que passer. Le canard n'est pas mouillé. Donc, on ne prêche pas pour lui, la parole de Dieu, on prêche pour sa femme. Puis bon, vice-versa aussi. Hein. Si on ne prêche pas pour elle, on prêche pour son mari. Alors, ce que Dieu nous veut, c'est de pouvoir toujours dire, être là, Seigneur, même s'il parle à mon mari, ce n'est pas un problème. Moi, je dis, Seigneur, moi, ma part. Il est où? Je veux savoir. Frère et soeur, c'est la vérité, ça. Amen. Si Dieu s'occupe de ton mari, c'est Dieu qui s'occupe de ton mari. Mais toi, Dieu doit s'occuper de toi. Amen. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Si Dieu s'occupe de ta femme et toi, il faut que Dieu s'occupe aussi de toi. Amen. Mais c'est pour ça que vous êtes toujours là en train de voir la réalité. Ah, c'est ma femme. Ah, Dieu a parlé. Hein, tiens, il a entendu, Un peu plus avec lui. Oui, il faut que je dois te parler parce que je dois parler. Mon problème est, je dois te parler parce que il y a mon mari. Ça veut dire que vous n'avez pas écouté la parole de Dieu. Enfin bon, si je donne ces témoignages comme ça, les gens, la personne va dire, ah, c'est des mois. Mais c'était un témoignage édifiant pour qu'on voit comment Dieu touche le cœur de nos sœurs et arrive à pouvoir aller. Et là, j'étais vraiment touché quand j'écoutais la sœur qui me parlait. Bon, c'est pas. Non, c'est de l'autre côté. Parce qu'on va dire, oui, non, je parle de l'autre côté. Parce que c'est quand même extraordinaire que. On écoute la parole de Dieu. On sort d'ici. On refait exactement le contraire de ce que la parole de Dieu dit. Et puis on se croit qu'on est saint ou on est sainte et que nous on comprend mieux l'évangile que tous les autres. Effectivement, c'est à nous-mêmes de pouvoir faire comprendre aux gens l'évangile. Et c'est ça le grand danger en fait. Je dois me trouver dans une position où je me pose la question, Seigneur, moi je veux savoir. Si tu me connais aussi, parce que si tu me connais, tu vas me parler. Amen. Je vais écouter, je vais réaliser effectivement que là, je suis venu, Seigneur, tu m'as parlé, tu as touché mon cœur, parce que je suis venu pour ça. Je ne peux pas sortir ici étant sec ou sèche, effectivement, non. Je dois être dans les conditions, Seigneur, que j'entends et je réalise que, ah, mon Dieu d'amour, que ton nom soit béni, parce qu'aujourd'hui, tu m'as parlé. S'il a traité avec mon mari, c'est avec ma femme, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est qu'il a traité avec moi. Amen. Dieu m'a parlé aussi. Et ainsi que Abraham monta avec la corde, il a montré qu'il croyait vraiment que ce qu'il allait poser comme acte. Il a pris la corde, il a pris le couteau, il a pris aussi le feu. Parce que quand ils sont montés avec l'enfant, il dit, mais père, voici donc le couteau, voici le feu, la corde aussi. Parce qu'il a lié son fils. Et puis il pose la question. Parce qu'il savait comment on sert Dieu. Et où est donc l'agneau pour les sacrifices? Déjà en bas, pour que vous puissiez comprendre, quand il est arrivé à la montagne, et Dieu lui montra effectivement qu'il devait monter effectivement cela, et il dit à ses serviteurs, ça c'est la nature d'un fils de Dieu, il dit à ses serviteurs, vous restez ici, moi ici et l'enfant, nous allons monter pour aller adorer notre Dieu. Et quand nous aurons terminé, il dit, moi et l'enfant, nous reviendrons vers vous. J'ai dit, cet homme était vraiment un homme de Dieu, un fils de Dieu. Il avait vraiment la foi en Dieu. Avant d'aller monter, il dit à ses serviteurs, comme témoignage, vous restez ici, moi et l'enfant, nous montons. Et puis moi et l'enfant, nous reviendrons vers vous. Donc les hommes n'attendaient pas Abraham seul. Non. Il dit, il nous a dit qu'il doit revenir. Donc il est allé offrir un sacrifice à son Dieu. Et Abraham ne savait pas lui-même comment cela s'est passé, mais il avait foi en Dieu. Il savait une chose, que Dieu ne peut pas se tromper. Parce que s'il m'a dit d'avoir Isaac aussi, il m'a dit que en cet Isaac ici, moi ici, j'aurai une postérité. Donc je sais une chose, que Dieu ne permettra pas qu'Isaac aussi meure. Parce que même s'il meurt, Isaac va ressusciter. Oh frère, quand on a la foi, on croit les choses impossibles. C'est qui qu'Abraham croyait comme ça? Hébreux chapitre 11. C'est pas qu'on explicite ou bien on imagine l'image. Non!
Abraham croyait comme ça. On lui a dit bien qu'il espérait que quand Isaac serait tué, qu'il ressusciterait. Parce que Dieu avait dit à Isaac, c'est pourtant une postérité. C'est pour ça qu'il est monté avec Isaac. C'est maintenant toujours sur la parole de Dieu. Et son fils regarde, dit, mais papa, mais voici le couteau, voici le feu et tout ça. On avait déjà entendu sinon. On n'a pas vu papa comment t'appeler. Il a pris son père, il dit, mais commencez à pouvoir pleurer, appeler les ancêtres, appeler les côtés à gauche, à droite, effectivement. Quand c'est vous comme ça, c'est les coups de téléphone. Oh, tel prédicateur. Oh, c'est comme ça le problème. On va voir, parce que moi, on m'a dit là-bas à l'assemblée, est-ce que c'est comme ça vraiment? Est-ce que c'est comme ça que ça? Mais Dieu vous a dit. On cherche toujours une foule de prédicateurs pour qu'ils vous donnent selon vos désirs. Mais ce que Dieu vous dit, c'est de pouvoir croire. Ah oui, c'est sûr et certain. Oui. Abraham est monté avec son fils. Il était sûr et certain de ce que Dieu lui avait dit. Bien sûr que oui. Et quand le fils lui a posé la question, Abraham est resté imperturbable. Quand vous lèverez demain matin, oui, dans le jour d'avenir, oh, on a pris les décisions, les CCO, ce CCO a pris les décisions, et comme ça on va faire comme ça, ah, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Mais non, Dieu vous a dit qu'il sera avec vous. Amen. Quand sera-t-il maintenant avec mon séjour? Mais Dieu te l'a dit que tu auras ton séjour. Amen. Le problème, c'est la manière dont tu considères les choses de Dieu. Et quand tu ne le crois pas non plus, ce n'est pas à toi. Vous comprenez? Et c'est que, alors, Abraham répond à son fils, il dit, le Seigneur, notre Dieu, il se pourvoira lui-même des lolos. Quand il a dit cela, est-ce que vous avez vu quelque chose se passer? Non. Non. Parce que quand vous dites quelque chose, que vous avez confiance en Dieu, soyez ferme et croyez que Dieu va faire cela. Même si on ne le voit pas maintenant, c'est une manière ou d'une autre, mais on reste dans la foi, croyant que c'est sûr et certain que Dieu va le faire. Il est allé jusqu'où? Il a pris son fils, il a lié son fils, il a mis Isaac sur le bois. C'était pas la comédie, hein. Comme nous, aujourd'hui, nous jouons un peu la comédie de la foi. Et oui, oui, oui. Et puis, en ce moment, quand on voit qu'il n'y a pas des éléments, on craque et on cherche d'autres solutions. Non, Dieu a dit ce qu'il a dit. Et alors, il prend Isaac, il l'a mis sur le bois. Vous savez, il y avait le feu. Pas le feu avant, on met le feu après. D'avoir tué quand même. Et il a pris son couteau. Il a pris la tête de l'enfant comme ça. Donc, il l'a mis là. La gorge était bien séparée. Parce que c'est par là qu'il faut couper. La carotide. Vous comprenez, non? Donc, il tient bien l'enfant. Ce qui est merveilleux, c'est que... Oui, c'est la vérité. Le papa qui aime son fils. Eh bien, oui. Son fils qui a eu dans des conditions difficiles. Alors, lui-même, pas quelqu'un d'autre. Il vient là. Non, il faut aimer Dieu. Il vient là. Il tient son fils comme ça, là. Et le fils est lié, le pied lié, le main lié, effectivement. Et l'enfant, il avait l'amour de son père. Il avait une pleine confiance dans son père. Parce qu'il pouvait qu'il le regardait. C'est merveilleux. Que Dieu bénisse Isaac. Vous vous rendez compte, frère, là, sur le bois, tu sais que tu as déjà vu comment ton papa fait avec les animaux. Tu ne sautes pas pour dire, papa, laisse-moi la vie. Papa, épuisé de moi, je suis encore un enfant. Ou comment je n'ai pas encore fait ma vie. Tout un temps comme ça, laisse-moi au moins vivre quelques temps. Et non, 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 non. Si aussi nos enfants pouvaient comprendre ce que nous leur disons. Parce que souvent, on se révolte contre les parents. Enfin, on ne rentre pas là-dedans. Alors maintenant, il prend, il tient la tête de l'enfant comme ça, il a dégagé le cou. Maintenant, il prend le couteau. Il lève le couteau maintenant pour enfoncer. Donc il avait la main levée, pas pour jouer la comédie. Il allait tuer. Vous savez, pendant ce temps-là, Abraham ne voyait rien. Mais autour de lui, effectivement, les anges étaient tentés d'observer. Il lève la main. Il ramène la main. Au moment où la main va vite pour la main, là, dit, arrête Abraham! Il entend une voix maintenant qu'il ne voyait personne. Hein? Mais la voix vient de se dire, arrête! Il dit, j'ai vu, Abraham, que tu aimes ton Dieu, que tu as la foi en ton Dieu. Ainsi donc, je te bénirai. Amen, amen.
Lisez l'écriture, Genèse chapitre 6, verset 26, vous verrez comment l'ange aille à pouvoir parler. Mais avec autant de considération d'Abraham, il dit, maintenant, Abraham dit, mais je te bénirai, donc j'accomplirai la promesse, effectivement. C'est comme cela que Isaac est descendu avec son père. Et les travailleurs de son père, effectivement, qui étaient là, effectivement, aussi, l'ont vu aussi. Et Isaac est rentré, donc, à la maison donc d'Isaac. Toujours dans la maison. Abraham a dit à son serviteur, n'allez pas dans l'autre patrie, dans la maison, frère, parce qu'il y a un frère. Va dans cette maison-là. Et tu trouveras effectivement aussi que là, il y a donc des filles dans la maison, effectivement. Je vous l'ai dit, hein? On se marie toujours. Et c'est comme ça que Rebecca était donc, vous connaissez comment tout s'est passé, effectivement. Et Rebecca est venue, effectivement, aussi. Puis bon, Rebecca, la seule femme, effectivement, est sortie. Jacob et Esaü. Là était celui que Dieu a dit, j'ai aimé Jacob. J'ai haï Esaü. Dieu n'a continué qu'avec Jacob. Alléluia. C'est la manière de Dieu de pouvoir faire les choses qui nous dépassent, nous, parce que Dieu a un dessein. Et pour nous aussi, nous avons des desseins bienveillants que Dieu a formés pour nous. Desseins bienveillants. Nous devons simplement marcher et faire confiance en l'Éternel, notre Dieu, tout au long de cette année. Mon frère et ma sœur, le Seigneur n'a pas dit qu'il n'y aura pas d'épreuves. Mais il sait qu'il y aura des épreuves, mais il vous a déjà dit ce que vous, vous devez regarder. Pas à l'épreuve qui peut vous arriver, effectivement, mais regardez à la promesse qu'il vous a faite pour cette année. Sûr et certain, vous sortirez toujours vainqueur. C'est vrai, je crois que la plupart du temps, les gens se sont peut-être posés, ah Seigneur, nous attendons que ce sera vraiment... Et si nous étions des humains, nous pencherons toujours en disant, mais les baromètres montrent que ceci, alors nous devons quand même être fortifiés. Alors ça dit que ce sera toujours des moments difficiles, mais il a dit que c'est une année qui sera une année bénie. Amen. Pour vous. Alors qu'on parle de baromètre, ce n'est pas votre problème. Est-ce que vous comprenez? Le peuple de Dieu, c'est un peuple qui marche par la foi. La foi en son Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier, mais vous restez là. Tendre Père et précieux Sauveur, je voudrais te dire merci. Merci pour ton amour et ta bonté, pour ta grâce que tu nous as accordée, Père. Disais combien tu es tellement bon pour nous et que tu nous aimes, Père, et tu nous donnes la grâce de pouvoir réaliser que il nous faut marcher toujours par la foi, mon Sauveur, et de réaliser que tu donnes toujours effectivement ce que toi tu as promis. Et nous voulons demeurer dans ta parole à toi, Père Dieu, et de pouvoir croire qu'effectivement que tu es capable de pouvoir accomplir ce que toi tu as promis. Je te remercie, Père, mais de tout mon cœur, mon roi, oh Dieu, derrière tous ceux qui nous donnaient effectivement la peur et tout ça, nous voyons maintenant vers notre avenir, Père Dieu, ce qui doit pointer à l'horizon, Père Saint-Dieu. Cette joie que tu nous as vraiment aussi accordé la grâce de pouvoir expérimenter, mon Père. Tu as dit, je te rétablirai, Seigneur. Nous te remercions. Nous avons confiance en toi. Que ta paix, ta bénédiction soit accordée à ton peuple, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. À ceux qui croient en toi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, qui ont confiance, Père Saint. Seigneur, c'est vrai, nous savons que tu feras des grandes choses avec ton peuple, mon Seigneur. Que ta bénédiction leur soit accordée. Que la grâce leur soit accordée. C'est la joie de notre cœur de pouvoir vraiment vivre et marcher aussi avec toi. Sois béni et sois exalté, car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes frères et sœurs en Jésus. Tu nous marchons d'un même pas jusqu'à son retour. Si nous sommes unis en lui.
aura l'amour nous vaincrons. Nous sommes frères et sœurs en Jésus. Unons-nous par la main, marchons d'un même pas jusqu'à son retour. Si nous sommes unis en lui, tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. Je t'aime, je t'aime, je t'aime mon Seigneur, car tu prends soin de moi comme personne. Le fait, oui, je te loue, je t'adore et je glorifie ton nom. Oh, voilà pourquoi mon cœur te loue. Je t'aime, t'aime, je t'aime, je t'aime, mon Seigneur, car tu soin de moi quand personne ne le fait. Oui, je te loue, je t'adore et je glorifie ton nom. Oh, voilà pourquoi mon cœur